Salut à tous et à toutes, bienvenue donc chez Papy Corse. Il fait 33,5 à l'ombre, 44% d'humidité, et il fait chaud à l'ombre. Hein. Voilà, bon là ce que je fais, je vais vous montrer ce que je fais. Alors attendez, c'est moi, je suis en sueur, je goutte d'eau. Salut. Bon, je suis en plein boom. Allez, je vous montre ce que je fais. Donc nous sommes le lundi 18 juillet 2022. Il est 4h30 je pense à peu près. Donc là je mets une petite clôture, donc poteau, grillage et canisse. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pour le chien, pour qu'il évite d'aboyer ou de passer les crocs, ou qu'un enfant puisse toucher le chien. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. J'ai 20 mètres à faire, 20 mètres. Donc je vous montre un petit peu le matériel. Voilà, là il y a des pieds pour les poteaux. Nous avons les vis 12-60 avec des grosses chevilles. Donc les poteaux d'un mètre, le grillage d'un mètre également. La canisse, c'est ce qui vaut le plus cher, c'est ce machin là. Donc on va faire un petit tour dehors, vite fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Ça c'est le chien, il vous dit bien le bonjour. Voilà, Jo. Voilà, parce que là, Béou, Jo, viens là. Vous voyez, là, le chien, il vient là et hop, il peut mordre. Il peut mordre, il peut aboyer et il peut sauter par-dessus. Donc, je ne vais pas le faire sauter. Voilà, vous voyez, il peut sauter par-dessus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre donc grillage, poteau. Vous voyez, là, je suis en train de visser ici. Voilà, trois vis. Parce que j'avais déjà mis des lattes, le vent passait pas à travers, il y avait une prise au vent, ça m'a arraché complètement mon mur, voyez, voilà, ça m'a arraché complètement le mur et tout était par terre, tout à refaire. Donc là je mets ça, donc le vent va pouvoir passer à travers, il y aura moins de prise au vent, et je mets de la canisse parce que là le chien, Jo, bébé, nounou. Il a chaud, hein. Il a chaud, petit pépère. Viens là, tiens, viens là. Regarde, fais voir. Là, voilà. Vous voyez, là, il peut encore mordre. Il peut mordre. L'enfant, il vient. Je ne sais pas pourquoi il mordrait. Il n'est pas méchant, mais bon. Un enfant ou un adolescent qui veut taper sur le grillage ou faire ça pour l'exciter, hein, ça, c'est qui sait qu'il l'a pas fait en venant de l'école ou en allant à l'école pour exciter le chien. Après, le chien, il devient hargneux et méchant. Donc là, il ne pourra pas passer le museau. C'est pour ça que j'ai mis la canisse. Et ça couvre un petit peu l'extérieur de l'intérieur. Voilà, donc j'ai 20 mètres à faire, vous voyez, c'est là où se garent les estivants. Mais ça fait sympa, moi je trouve que ça fait sympa. Voilà, j'ai jusqu'à là-bas à faire, là, au pot blanc, sur le muret. Voilà. Donc merci pour votre bon courage, je l'ai entendu d'ici. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Voilà la maison. Je la trouve super belle. Avant, il y était moins, hein. C'est pas parce que c'est ma maison. J'ai une maison, mais elle était moche au Havre. Hein. Et ben là, elle est moins moche, on va dire. Voilà. J'ai une maison moins moche. Donc, je suis dans les travaux. Voilà. Hein, donc, la rallonge, hein, pour l'électricité. Donc, là, vous avez vu le diamètre de 12 pour les chevilles. Hein, c'est marqué 12. Vous voyez. 12, hein, voilà, 12, c'est le diamètre, et 60 mm, 6 cm, c'est la longueur de la vis. Donc prenez une perceuse percuteuse, avec bien sûr une mèche de 12, voilà. Le mieux, c'est d'être outillé, hein. On peut le faire soi-même, voilà. Alors, combien ça coûte tout ça? Vous voulez le prix de combien que ça coûte? 20 mètres de clôture comme ça, avec la canisse? Tout compris, sans la main d'œuvre, juste le matériel. Allez, 912 euros. 912 euros pour faire 20 mètres de clôture comme ça, sur 1 mètre de haut. Voilà. Donc je pense qu'une entreprise, fait par une entreprise, j'en aurais eu pour 2000-2500 euros. Je pense. Voilà. Donc je fais une économie. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à plus. Ciao, bye bye.